Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à l'entrepôt en compagnie de Franck. Bonjour Franck. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de l'entrepôt? Oui, donc l'histoire de l'entrepôt commence le 4 août 2008, donc avec l'ouverture donc au grand public, avec une thématique simple. C'est voilà, l'idée, c'est l'entrepôt, avoir ce côté un peu brut et raffiné. De la brique, du rouillé, de l'inox, voilà, ce côté un peu qui est rassurant, avec aussi des canapés, cuir, des teintes, voilà, qui rappellent un petit peu cet aspect traditionnel, en fait, voilà. Alors, l'entrepôt est composé de trois parties, donc le rez-de-chaussée, la terrasse et le premier étage. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes thématiques? Alors donc la terrasse, bon ben voilà, une grande terrasse extérieure chauffée avec voilà un service restauration aussi à l'extérieur, donc ça c'est surtout pour l'été. L'hiver, donc la terrasse chauffée pour la partie boisson. Après on passe au rez-de-chaussée, donc avec une thématique rez-de-chaussée midi brasserie, midi soir, soir donc bar et un peu brasserie, et on a aussi au premier étage donc la partie restauration qui est là avec tout le confort qu'on aime dans un bon restaurant. Alors pour la partie restaurant, est-ce que tu peux nous donner un peu l'esprit pour que les gens voient mieux comment est la partie restaurant? Alors donc la partie restauration, c'est évidemment notre base de classique avec les flammekuchen, les pizzas. Nous avons aussi donc en termes de viande des hamburgers, des entrecôtes, voilà, des hamburgers un petit peu élaborés différemment. On a le hamburger de l'entrepôt aussi qui est vraiment très très sympa. Et puis on a donc bien évidemment salade, pâtes, voilà, enfin, poisson aussi, hein, bien sûr, Boulogne, avec la charte de qualité. Voilà, donc c'est notre base de cartes, et on a aussi nos desserts qui sont un petit peu traditionnels avec par exemple la tartine de pain perdu avec sa glace spéculoos qui est un petit délice. Voilà. Alors, dans l'année, vous organisez des soirées? Oui, alors on essaie d'organiser un petit peu des soirées à thème, voilà, tout au long de la soirée de l'année, avec la possibilité de venir aussi à nos 5 ans, avec là un buzz qui se fait un peu particulièrement. On a la place, on se fait plaisir, mojito, cocktail extérieur, bonne musique, pour bien décompasser, voilà. Alors, dans l'année, vous avez vos soirées, et vous avez des dates en particulier où place. Alors on a la soirée Beaujolais, bien évidemment, on a la soirée hivernale à peu près à partir de Noël, on a aussi des soirées sympas. Et puis après le reste de l'année, on a des soirées qui ne sont pas forcément arrêtées à des dates particulières, mais qu'on peut retrouver sur nos sites, sur les sites de l'entrepôt. Je te remercie. Et sur votre site aussi, bien sûr. Oui, je te remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui à l'entrepôt, puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.